À l'est ? Bah oui, à l'est. À l'est d'Éden ? Exactement. Avec Gary Grant ? C'est ça, James Dean ? Ouais. James Dean, à l'est d'Éden. Ah ouais, d'accord. Ah, je comprends mieux alors. James Dean, Éden, Est, Jean de l'Est. S'il vous plaît, monsieur, une petite pièce. D'accord, je comprends. Ok. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il a faim, il a soif. Non, mais en Roumanie, de l'Est, quand on dit des gens de l'Est, c'est la Roumanie, généralement. Non? Pas que la Roumanie. Oh, bah. C'est pas les Roumains? C'est les gens du voyage, eux. Bon, pareil. Les gens de l'Est, qu'est-ce qu'il y a, les gens de l'Est? Il y a l'Ouzbékistan, le Tchadjikistan. Et tous les gens. On a la même heure avec l'Est, qu'est-ce que tu me dis, toi? On n'a pas la même heure. Ah bon? L'extrême Est, c'est l'Orient après. C'est la Turquie, c'est. Je comprends pas. Non, je comprends pas. Je m'étonnerais qu'il se lève à 7h du matin pour nous péter, hein, je vais te dire. Il est beaucoup plus tard chez eux. Ah bon? Il dort à cette heure-là, travaille la nuit. Ils vont péter les baraques la nuit. J'ai faim. Là, j'ai mangé. Allez, j'ai faim. Le soleil encore se couche une heure plus tôt que sur le continent où on était en Normandie. Oui, on est bien d'accord, mais on a la même heure en Corse qu'en Normandie. Hein. Bon. Oui, mais... bon, ça va rien dire ton soleil là. Parce qu'il a rendez-vous avec la lune. Mais non, mais l'Est, c'est à côté de la France, en Europe, on a la même heure. Même il y a peut-être une heure de décalage, c'est ah, tout. Non. Hein? Ouais. Fuseau horaire. Bah, demande un petit peu à tes télécultures, ils parlent pas là, ils sont tous sages. Ils sont silencieux. Ils sont silencieux, ouais. Ils ont envie de se faire discuter. Voilà, c'est ça. Ils veulent pas prendre parti pris. Parce que s'ils sont avec toi, ils vont se faire lyncher par moi. Et s'ils sont avec moi, ils vont te craindre après. Donc, Mamie Corse, il aime bien Mamie Corse parce qu'elle fait des bisous à chaque fois. Mais là, elle a pas fait de bisous, là, elle s'en fout. Là. Elle a pas dit bonjour en plus. J'ai pas eu le temps de m'embêter. C'est cela, oui, c'est pour moi qui t'embêtais, c'est le griffon et le carnot. Arrête un peu. C'est cela, ouais. Va sur Scorch, va te faire griller, va te faire bronzer un peu. T'as une meilleure mine, vas-y. Va sur Cristal, va. Tu diras bonjour de ma part. Ah, le bonjour d'Abdoul. Attends, j'ai soif. Attends, j'ai une gourde. Non, j'ai un bocal, super. Bon, allez, je vais chercher du métal. Oh, mêlée. Oh. Bon, mon verre, il est vide, là. Il a installé le... L'atelier, non. Alors, c'est vrai. Hein, priorité, c'est de te répondre et de te faire raisonner. Voilà, j'ai du mal, là, ce soir. T'es pas réceptif, ce soir. Et rebelle. Pourquoi je caille? Attends, j'ai froid. Je suis en slip. En string? Non, en slip. Alors, ça m'étonnerait, je mets des strings. Alors là, ça risque pas. Tu rigoles, non? Pas une tarlouse, non? Tu vois, toi. Hein? User Name Not Food. Il a pas trouvé de nom pour le jeu, c'est ça? Ouais. Bouffon. Là. C'est vraiment un bouffon. Bah non, c'est marrant. Oh, vachement, je suis mort de rire. Oh, ils disent rien, tes Twitchers, là. Ils se taisent, hein. Ils écoutent. Mais non, je vais pas les... Qu'est-ce que tu fais, là? Unga, unga, baba, tcha-tcha. Oh, toi, femme, moi, Tarzan. Aïe, oh! Vas-y, c'est bon, Vas-y, attends, je peux même plus bouger là, je suis bloqué maintenant avec tes âneries. Attends, je vais te crier, mets ton cryo. Vas-y, mets-moi en cryo, moi je te mets autre chose. Non, mais c'est cela.
Ah, t'as raison, ouais. Ah bah non, c'est de l'anti-jeu, ça, après. Alors, attends, faut que j'ai du métal. Oh, y a tout à refaire, là, laisse tomber. Oui, faut que j'aille voir l'emplacement, tu m'as dit. Alors ça, on va brûler. On allume. Voilà, 40, tu parles avec ça. L'atelier, il était là-bas. Bah, t'as pu le mettre. Tu pouvais le mettre, la puce. C'est pas exactement. Bah, il était là. Là, tu vois, il était là. Tu vois, il y avait les trois pylons là. Et l'atelier, bon, il était là, tu le décales un peu. Tu le mets ? Non, vas-y, bah, ça te responsabilisera. Ça te changera un peu. T'es une irresponsable, toi. C'est beau, toi. Tu commets un crime, il n'y a pas de problème. Tu seras tiré en infirmerie. Pas de sa faute. Il est où ? Il est dans l'armoire, non ? L'atelier. Mais oui, tu mets ton terrain devant, je peux pas y aller. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais faire le contorsionniste. Non, mais pourquoi faire dur alors que c'est simple, hein ? Attends, un coup de pin, toi. C'est toi qui m'embrouille. Mon verre, il s'est évaporé. Tant pis. T'as vu, t'as pas de compassion ? Oh, toi. Je vais faire un tuto sur le vautour, j'ai qu'une viande pourrie. L'atelier, il est là. Voilà. Y a de la pierre et de la peau dans le dans l'armoire. Hein. Allez, je te mets l'atelier, je vais chercher mon verre. Mon deuxième médoc. Attends, j'en ai plus que... Ah, le prochain, c'est samedi soir. Hein. Est-ce que c'est bon, là ? Là, je peux... Ouais, c'est pas mal, là, c'est pas mal. On est bien. Ok, bon, l'atelier, il est mis. Mister Root, redésolé, j'étais au téléphone. Ah ouais, parce que vous êtes silencieux, là. Mais c'est pas grave, hein. T'inquiète, hein, y a pas de problème. Rien de grave, hein, Mister Root. Tout va bien ? Y a tout qui roule. Poids. Ouais, on va mettre le poids, parce que... Ouais, je vais aller jusqu'à 350. Ah oui, la vie, c'est pas terrible. L'énergie non plus, ah oui. Je vais mettre le poids. Je vais mettre le niveau 58. Oh, laisse tomber. C'est 58. Ouais, moi je vais aller faire mon... J'arrive de suite. Je vais pas au téléphone, je vais faire mon médoc. J'arrive tout de suite, les gars. Faire des raids. Pourquoi tu n'y arrives pas toute seule? Il faut du matos pour aller raider. Hein? Eh ben, il faut faire des grenades. Fais des grenades, puis on va raider. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais je suis pas énervant, je suis réaliste. Plus il me destroy, plus je reconstruis, plus je gagne des niveaux. Et quand tu es à un niveau assez conséquent, bah là, tu peux aller tranquillou faire du corps à corps. J'ai un niveau 48, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Moi, je suis tout petit, là. C'est quoi, c'est l'atelier, ça. Le jambon, c'est normal, tu l'as pas mis dans le petit perroir? Mais c'est pas pour le manger, là, c'est pour le manger. Ah, bah, t'as réussi ton coup, je voulais pas enlever la cellophane et tout. Pour mon boulot et tout, quoi. Bah, voilà. Pour toi. Des amandes? Avec cette vitesse, tu vas m'enlever mes points, hein? Oh, ouais, il y aurait besoin, ouais, ça serait bien. Mes 12 points, moi. Oh. C'est quoi les amandes? À croquer?
avalé. Des suppos, un suppos en amande. Oh purée. N'importe quoi. Des amandes à suppos. Tu m'embêtes. Comment ça croquait des amandes? Mais on a de la crème d'amande. Non. C'est mamie qui l'a donné, non? Ah, on n'a pas de crème d'amande. Qui c'est qui m'a fait goûter ça? C'est mamie. Ah, t'étais pas là. J'avais été chez ma mère et puis... Ouais, elle l'a fini. Alors, il y a trois sacs de couchage installés. Ah. Ça va, parfait. Bon, ça va, tant mieux alors. Ok. Pas de problème, Mister Route alors. J'essaye de m'organiser avec Patou, c'est pas évident, mais bon. On va y arriver, tu sais. Bah, je vais rien dire parce que c'est... Ouais, je vais les mettre après, hein, tes sacs de couchage. Je vais aller rechercher du métal pour construire. On ne peut pas les mettre, on sait jamais. Il y a les lits toujours, non? Le carnot, ça y est, il est parti. Oui, les deux carnots sont partis. Ah ouais. Aussi. Ah ouais, le griffon. D'accord. Tu parlais du griffon, tu parlais pas de moi. Hein? Attention. Sortir les griffes, moi. Mais pourquoi tu veux pas l'installer? Pourquoi c'est moi qui installe? C'est la femme qui installe les hommes, les maris, ils achètent les meubles et les femmes les installent, non? Depuis quand moi j'ai installé les meubles? Non mais tu... Enfin, non. C'est toi qui choisis toujours que les femmes le font. T'aurais préféré que ce soit une femme qui choisit toi, ma femme? Pas vrai. Hein? Franchement. Bon, faut bien qu'on choisisse aussi. Moi je t'ai choisi. Qu'est-ce qu'il s'est fait, lui? Vas-y, tiens, mange. Oh purée. Si on voulait choisir les meubles, vous allez nous prendre du Ikea. Ça tient pas, c'est pourri. Ah. Tu choisis les meubles et tu choisis où tu dois alors. Mais alors, je t'ai choisi et je te choisis là où tu dois être. In the kitchen. Where is Patou? Patou in the kitchen. Tu dis que je décide? Ah, misère. Bah, hé, hein? Moi, je suis mort. Par une légionnaire titano. Oh, 150. Oh, purée. Pour faire de cadeau, elle. Hein. Bah, allez, hop. On va chercher le corps déjà, ça sera déjà pas mal. Tu t'en as placé, toi, tes sacs de couchage? Ah bah oui, fais-le. Hein. Ça, c'est important de faire dès le début, parce que t'as vu comment on a été embêté au début de partie, là. Bon, apparemment, je vais pouvoir sortir l'aigle après, hein, y a pas de problème. Oui, mais enfin, s'il y a la wyverne qui est à côté, vaut mieux éviter, peut-être. Hein. Oh, il est parti aller manger. Il y a sa maman qui l'a appelé à table. Oui, maman, j'arrive. Ouais, ça y est, hein, c'est bon. Il va se laver les dents après manger, il va se coucher, puis on est tranquille. Hein. Je sais, pour moi, c'est des titis. Hein. Ah oui, c'est des collégiens ou des cotorep, hein, c'est possible. Hein. Pour aller raider, il faut être outillé. Hein. On peut pas raider comme ça, on a que dalle. Hein. Moi, j'attends que ça d'aller raider. Déjà, faut trouver l'autre avec son griffon et puis lui péter sa baraque. Mais bon, voilà. Je vais manger. Bon appétit à tous et bon live. Ah, d'accord, ben voilà, appelé. Ok, ça marche, Mister Groot. Je parlais pas ça pour toi, hein, Mister Groot. Hein. Bon appétit, à la prochaine, Mister Groot. Et merci pour ton abonnement, ça fait super plaisir. C'est encourageant, Mister Groot. Ça veut dire que ça plaît, mes lives. C'est bien, nickel. Merci d'être passé, puis peut-être à dimanche alors, Mister Groot. Ouais, c'est ça, dimanche.
Ciao, ciao, mon ami. Bye bye. T'as le bisou de Patou également. Ah là là. J'en prends un ou deux sacs de couchage. C'est pour toi les trois. Hein. Ah, pour les trois, c'est. Ah bon? Ah bah, je vais mettre les trois alors, de suite. Ok. Pilon. Attends, je vais mettre ça après. Chaque chose en son temps. Ouais, donc je vais poser le machin. Ah, il y a un grand griffe qui s'est approché de chez nous. Fais attention. Allez, on va mettre les sacs de couche. Ah bah ouais. Bon, t'en avais une dizaine, non? Est-ce que ça fait de l'XP, les bouteilles rouges? On les fait? Ouais. Bon. En mettant là, voilà, ça y est, les trois sont mis. Ok, ça marche. Là, je crois que je... Voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'ai un petit peu de métal ici. Pas trop. Ah, voilà. Trop. Après, j'avance plus. Ok, 200 métaux. Allez, on va faire fondre ça. Il faudrait que je refasse deux forges. Hein. Il en faut au minimum 6. 6, c'était pas mal. Ça avance bien, 6. Après, si on en a une dizaine, ça sera mieux. Hein. Ah ouais, son truc là. Le principal, c'est qu'il n'y a pas de tourelle. S'il y a des tourelles, moi je suis embêté. À notre niveau, je suis embêté. S'il n'y a pas de tourelle, il n'y a pas de problème. Je fais le C4 correspondant et puis on pète tout. Donc là, c'est bon, hein, il n'y a pas de problème. Ça cuit. Le ciment, il n'y en a pas. Hein, donc je vais en chercher. Là, il n'y en a pas. Tu veux que je te mette les trois pilons là? Je les mets à la même place hein, que la dernière fois. One. Uno. Dos. Tres. Voilà. Ta marmite. Alors attends, il faut que je. Ouais, non, faut que je mette des plafonds. Attends un petit peu. Laisse là dedans. Je vais chercher du. Qu'est-ce que j'ai sur moi? J'ai que de la viande. J'ai même pas de fringues, il n'y a pas de fringues en tissu là. Il que dalle. En tissu, hein, ou voire en cuir, mais pas en métal, c'est pas la peine, c'est trop lourd le métal. Et pour porter les lingots, c'est pas la peine. Donc là, je vais remplir ma gourde. Et j'avais du ciment. Allez. Ouais, bah, je vais le prendre après. Ok, ça marche. Let's go. Ah, il faut plein de trucs. Hein. Ça. Là, le bocal. Ah, j'ai pas les habitués là. J'avais Mister Groot, j'ai Molout. J'ai pas Damien, j'ai pas Nico, j'ai pas Douanier. Il n'y a pas tout ça. Bon. J'espère que ça va bien. J'ai pas Eloane, j'ai pas Maëlle. On les voit plus beaucoup, Eloane et Maëlle. Ouais, c'est restreint. Ouais. Mais bon, ils sont jeunes et il faut qu'ils travaillent. Hein. C'est normal, hein, de toute façon. Si les parents ils ont mis un haut là, c'est normal. Hein. Oui, alors le ciment. Donc, je vais me faire lancher, évidemment. T'as fait aucun barrage, hein, ok. Hein. Non, non. Bon, d'accord, donc j'y vais. Si on peut avoir des perles ou l'électronique aussi, hein, les techs, hein, si t'en vois, tu les exposes. Alors là, ils attendent que ça, là, les castors, ils vont bouffer la chaudron, mais bon. Allez, on y va, tac, on va prendre tout. Voilà, oh, nickel. Nickel, voilà, voilà. Voilà, hop, 145 le castor. Je sais pas si c'est efficace, moi, les vautours. Hein. Je sais pas. C'est pas non, mais. Du bois fondant, c'est plus efficace. Hein. Moi, il me semble.